Hop, pardon. Alors, Outlast. Cette fois, je me suis mis en noir, comme ça on va arrêter de m'engueuler. Comme ça, on va arrêter de m'engueuler, me dire Grinja, pourquoi t'es pas dans le noir? Coucou Rombus, coucou Neko, coucou les copains, on va mettre. On va mettre en difficile, ouais. On va mettre en difficile. Ça m'a l'air ok pour un premier let's play. Alors, Outlast contient des images de violence, peu importe du sang, du contenu graphique, d'ordre sexuel et de langage grossier. Have fun. Vous incarnez Miles Upchurch, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez, vous n'aurez rien. Mais vous n'avez rien à combattre. Alors, pour parcourir les horreurs de Mount Massive, dévoiler la vérité, vous devez fuir, vous cacher ou mourir. Ok. Chaud. Chaud, 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 chaud. Enfin, relativement. Clairement, très, très relativement. Très, très, très relativement chaud. J'ai mieux joué en français, right? Ah oui, j'ai mieux joué en français. Ah, c'est peut-être que les sous-titres? Ouais, non mais c'est Mount Matthew, c'est une asile en fait, carrément. Très bien, parfait. Ce n'est pas le moment, déjà. Moi je suggère qu'on reste clairement dans la voiture. Non, non, non. Non mais il sait pas notre perso, il sait pas qu'il joue à un jeu d'horreur. Alors. Donc objet tué ou activité illicite chez Murkoff chez 4X System. Vous ne me connaissez pas. Il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur le site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment même. En ce moment. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire la moitié des trucs que j'ai vu là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Okay. Bon, le gars nous a clairement juste bait. Hein, Je pense que le gars nous a juste complètement, totalement, genre, positivement bait. Rinjou Inolaki. Une assurance vie au cas où j'ai une crise cardiaque. En vrai, honnêtement, si vous pouvez en prendre une pour moi, ça serait, je pense, une très bonne idée. Alors, nouvelle objectif, enquêter sur l'asile de Mount Massive. Je suis absolument pas du tout à l'aise avec ce qui va se passer et on va. C'est bon, ça on peut, ok. Mais vous savez que je suis très courageux, donc techniquement on craint rien quoi. Ouvrir rapidement une porte, appuyez sur bouton souris. Pour l'ouvrir lentement, merde, il y avait écrit quoi? Ah oui, il faut que je maintienne. Ok. Pour lever votre caméscopage, appuyez sur D. Comme ça. Okay. Qu'est-ce qu'on vient de noter? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a déjà eu une musique comme ça? Il y a quoi dans le carnet? Il y a mes notes, je suppose. Voilà, juste. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités, sur fond de scandale en 71, réouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Perte de réseau téléphonique mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps les activités rentables derrière des œuvres de charité, mais jusqu'ici jamais sur le territoire américain. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça m'a l'air d'être un gros coup, peut-être quoi faire couler si l'article réussit à paraître. Et on finit en vie. On peut sonner? Non.
Ok, super, mais très bien. Ah, bah on va pouvoir rentrer à la maison. Non, c'est pour Dridger, on concentre pas. On va essayer de faire le tour. Il va falloir se calmer au niveau du sang. Hein. Il va vraiment, vraiment falloir se calmer, monsieur. Non. Ils vont pas me tuer dans le tuto. Ils vont pas déjà me découper en morceaux, genre dans les premières secondes du jeu. Non, ils oseraient pas. Ils oseraient clairement pas faire ça. Oh. Vas-y. Ramasser des piles. Yes. Alimente l'éclairage infrarouge de caméoscope pour les changer. Appuyer sur R. Ok, non, on va pas les changer. En vrai, elles sont pleines, mes piles. Ça suffit là. Ça me stresse aussi d'ouvrir les portes. Il y a du sang partout. Bro. Ok, il s'en bat les couilles. Ça a pas l'air d'être important pour lui apparemment. Ok. Fais voir, on va lire ce qui se passe quand même. C'est important de comprendre ce qui se passe dans son monde de merde. Alors. Le patient déclare avoir progressé vers l'état de rêve lucide auto-induit. Activité de moteur morphogénique. À une échelle sans précédent, poursuite du programme hormonal de niveau 4. Burrito, arrête de jouer avec mon câble, je vais péter les plombs. Roux, il m'attaque. Il m'agresse. Diagnostic, la spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. What the fuck is that? L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Et les pas de sang, ils vont par là. Hein. Les pas de sang, ils vont par là. Hein. Non mais il va me tuer instantanément. On sait qu'il va me tuer instantanément. Et je vais aller. Non, ça va, c'est fermé. Et puis je viens l'emmerder quoi. Et en plus je viens l'emmerder. Ok. Par là c'est fermé, on est d'accord? Ouais. Par là c'est fermé. Ok. Très bien. Ah ouais, je pourrais rester dans ce conduit. Hein. Non, il y a une musique stridente. Attends, on y voit quelque chose par là ou pas? Non mais on est obligé de descendre, on l'a vu le monsieur quand même. On l'a vu là. Est-ce qu'on veut vraiment descendre? Est-ce qu'on a envie d'aller là? Est-ce qu'on rentrerait pas? On serait pas mieux à rentrer chez nous? Ça serait mieux. Ça serait plus malin. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait un type genre en sang qui se balade là. Non, pas de let's go. Ok, bon, il y a une sauvegarde. C'est bien et c'est pas bien les sauvegardes, vous le savez. Là, il y a ces bloqués. La panique absolument constante de la part du joueur français. Pardon Burrito, il vient voir arriver, qu'est-ce qui t'arrive garçon? Oh putain! Oh con! Je que j'ai réveillé. Pardon, j'ai un fou rire. Oh fuck! Je crois que j'ai réveillé Pater. Ou pas en vrai. Bon allez, fou! Ça va, tout va bien. Where the fuck am I?
Ah shit. Ok. 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 Ouf. Oh mon non, mais ça va être comme ça tout le temps. Ça va vraiment être comme ça tout le temps. Mais je vais pas tenir la journée, hein. Je tiens pas du tout la journée, hein. T'as des têtes de gens, ça? C'est des têtes de gens. Ok, Drinja, c'est parce que t'étais pas prêt. C'est parce que t'étais pas prêt. On aurait pu... On aurait pu être prêt. Si on avait été prêt, on aurait eu moins peur. Si on avait été prêt... Là, maintenant, on est prêt. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this. Je vais pas passer. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous ai pas fait trop peur. Bon. Il va me tuer. Il va me tuer. Il va complètement me tuer. Il va complètement vouloir me tuer. J'entends marcher. Et c'est ça du coup la story, c'est genre il y a des types qui viennent et qui veulent nous tuer et on doit se cacher par-ci par-là. Ah non mais moi je suis pas bon à ça en vrai. Je suis clairement pas très très fort à ça. Bah vas-y, allez, si. Non mais il faut le faire déjà, il faut le faire, t'es un grand garçon. Hein que t'es un grand garçon. Hein qu'on est un grand garçon. Hein qu'on est des grands garçons. Hein. 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 Je transpire complètement. Tu peux dormir burrito dans ce genre de situation bro, enfin, c'est pas possible. Attends, fais voir, j'ai peur d'aller là. Ouais j'ai peur d'aller partout, en vrai j'ai peur d'aller partout. Vas-y, on va commencer par là. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Y'a rien là, ici. Y'a rien, Drinja, par là. Y'a rien. Y'a pas de raison d'avoir peur d'aller par là, Drinja. C'est le bordel en bas. Ok. Y'a une sauvegarde, de toute façon. En vrai, y'a une sauvegarde. Donc, techniquement, on craint rien. On craint rien, on n'a pas peur. Ah, j'ai peur. Ok, c'est rien. C'est rien du tout, c'est juste un bras. C'est juste un bras, tout va bien. Ok. Tu fais du bruit. Mais je pense que le jeu a pas commencé encore. Le jeu a pas commencé. Là, ils peuvent pas nous tuer. Là, on est safe en vrai. Je comprends pas pourquoi on retombe pas là où on était. Genre, le gars vient de nous dire... J'ai la main qui a tremblé. J'ai la main qui a complètement full tremblé à ce moment-là. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ça va, ouais, ça fait pas si peur. Il peut pas, c'est pas si peur, ce jeu. Il y a juste des jumpscares toutes les deux minutes quoi. C'est pas si grave. C'est pas grave d'avoir des jumpscares. Il m'a rendu ma caméra. Il est good guy en vrai quand même. Il est franchement good guy. Et est-ce que le col du coup c'est ça? Non mais en vrai. C'est vraiment le bordel en fait. Alors attends, on va faire une pause lecture, on va faire une pause lecture histoire de faire redescendre un peu la pression. Alors, le service de sécurité confinement de Murkov a fait part du conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet de risques élevés. Défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique, pardon, avec danger imminent de contamination de l'environnement. Bah oui, bah tout simplement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés et nécessitaient l'intervention du SSCM et justifiaient l'émission de cet ordre de mission. Il est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations ou se mettre intégralement à l'autorité de ses agents. Prononcer à tout recours à l'encontre de la Murkov Corp, c'est que filiale. Okidoki.
qui de qui. Pour l'instant. Pour l'instant, on peut se poser la question, est-ce qu'on est mort? Non. Pour l'instant, on n'est pas mort. Donc est-ce que tout va bien? Tout va bien? Non, j'ai pas envie d'aller par là. On va regarder les coins. Il y a des coins par là en vrai. Il y a des coins par là. On va regarder. On va. Parce qu'on est. Fais pas trop de bruit, Drinja. Fais pas trop de bruit. Ok. Ok. Hop là. Très important. Très très important l'exploration. Arrête de... Tu fais trop de bruit, Drinja. Ça m'énerve. Mais je pense que je vais être obligé d'aller par là-bas. Il a dit quoi? Prochain. Proclaim the gospel. Ok. Non mais par là, il y a rien. Par là, c'est pas censé faire peur du coup. Tout va bien. Voilà, c'est juste des toilettes. On va pas mourir dans les toilettes. Voilà, tout va bien. C'est juste pour faire peur. C'est juste pour mettre dans l'ambiance. Tout va bien. On peut pas partir par là, évidemment. Bah non. Non, ça serait trop rigolo. Mais on passe pas la journée en vie. Hein. Je me demande comment cette personne va passer la journée en vie. Hein. C'est techniquement pas possible. C'est techniquement absolument pas possible. Donc alors attendez, on peut partir par là. Par là c'est quoi? C'est Electric Room. Et par la droite c'est Security Room. Et le monsieur il m'a dit go dans la Security Room. Il m'a dit go dans la Security Room. Mais... Ouais bon, ok, ça se permet très bien. D'accord, bah du coup ça veut dire qu'on va par là. Hein? On y voit quelque chose si on va par là ou pas? Juste si on regarde. Est-ce qu'on se prend un petit screamer? Genre le monsieur qui est posé dans sa chaise. Mais il bouge en fait. Il bouge carrément ce monsieur. Oh non. Ouais. Ok, c'est pas grave. Oh, voilà. On va mourir. On va se prendre notre première mort ici. On va. Vous l'avez vu, hein. En théorie, ça marche? Est-ce que là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. C'est positivement dégueulasse. Bah, quelqu'un. Ok. Mille. Non. Pourquoi t'as fermé la porte? Non. Je peux me cacher sous le bureau? Je peux pas me cacher sous le bureau. D'accord. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on puisse pas se cacher sous le bureau. Attends, mais ils vont vraiment. Je suis pas prêt psychologiquement en fait à me faire poursuivre par des créatures des enfers. Et c'est vraiment beaucoup plus dégueulasse que. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Non, c'est bon, tout va bien déjà. On peut sauvegarder? Non. Même le menu de pause, il fait bordel. Alors, le monsieur, il est parti par là. Il faut une carte codée. Fuck. Ok. Ça a l'air sympa par ici. Ah non, le monsieur, il est mort dedans. Donc, once again, hein, le monsieur, il est là. Il a mis des grands coups de poing dans la porte. Pam. La porte. Mais slam pas la porte. Est-ce que ça a du sens de slam une porte en vrai? Est-ce que ça a du sens? Peut-être pour... Oui. Et ouvrir doucement, ça a du sens? Est-ce qu'il nous repère au son? Est-ce que genre c'est comme des chauves-souris? Non, c'est pas grave déjà. Disons, petite lecture. Messieurs, en attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise par la de la part de Murkoff Corp. Les profits potentiels du projet Wild Rider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Le projet Wild Rider continue de présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM.
Mais avec une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique, c'est avéré suffisamment efficace pour assurer un contrôle des profits permanents. Respectueusement, nique pas. Ok. Bah apparemment, il avait pas de temps. S'aimait pas au sol. Eh, s'aimait pas. C'est rigolo. Pardon. C'est pas vraiment très rigolo. C'est pas très amusant. Et fais voir, et du coup, le monsieur, il a fermé la clé. Il a fermé la clé quand il est venu dans sa... Ah, il a fermé la clé. Hein. Il est... Et merde. Ok. Et c'est pour ça que tu vas venir pour me tuer? C'est pas gentil, en vrai. C'est pas gentil. Et je peux pas fermer doucement, en vrai, genre, c'est pas possible. Non, je suis obligé de fermer comme un malade, quoi. Mais, ok. Je peux me cacher dans la cheminée. Pas malin hein, du tout, hein. Ouais, je peux me cacher dans la cheminée. Pas du tout malin, hein. C'est, ça manque clairement de QI, ce genre d'action, mais on peut le faire, en tout cas. Et ça, c'était bon à savoir. Ok. Là, on a apparu genre, juste un peu après, donc ça, c'est ok. Et non, mais après, ça fait peur, hein. Non mais me dis pas que je dois aller par là. Là c'est fermé, hein. Voilà, là c'est fermé, on peut pas y aller. Voilà. Ouf, c'est fermé. Ah c'est dommage. Hein. Mais par contre on va où du coup? C'est quoi le plan d'Injury? Il y a un plan? On n'a pas du tout la carte de sécurité. En fait tout ça c'était un grand trap en fait, il s'est rien passé ici. On m'a bait. Et il y avait rien. Attends, il me faut une carte de sécurité. Ah il y a peut-être un... Y'a pas peut-être un agent de sécurité qui serait complètement genre décédé dans un coin là? Witness. Là, c'est full HD quand même. Oh, arrête. Il me faut la carte, il me faut la carte d'accès. J'ai pas la carte d'accès. Pas une carte d'accès toi? T'es clairement un garde de la sécurité. Pourquoi t'as pas de carte d'accès? Mais putain, mais c'est pas possible. Là? Non, c'est fermé. Il y a des PC qui bloquent le truc. Ah là on peut passer par là. Oh non, on peut passer par là. Ok. Parce que vous savez ce qui va se passer hein. Genre il y a un machin qui va... On va dire je vais avoir la main sur le jeu. Genre il va y avoir un mob qui va venir pour me découper en morceaux. Et je vais freeze. Je vais complètement freeze sur place et je vais le laisser manger. Hein. Je vais positivement, complètement, genre, full bégayer. Merci Burrito de me soutenir dans cette épreuve. Ah non, on peut jeter un coup d'œil maintenant. Mais non, mais c'est des conneries ça. Ça c'est des conneries. Ah oui, mais il y a le monsieur là. Devin. Ouais, non, mais c'est sûr et certain que ça va se passer comme ça. À 1000%, monsieur, ça se passe comme ça. Genre, je panique complètement et il me tue. Je panique complètement, totalement et il me tue. Ça me fait balader discrètement. Je sais pas si. J'ai tellement peur. Je suis tellement effrayé par ce qui va se passer. Je peux même pas sauvegarder, y'a même pas de sauvegarde dans ce jeu, donc je peux même pas. Bro, are you okay? Je sais pas, ça va monsieur? Il a pas l'air en forme. Hein. Ça va? Non. Ok. C'est pas grave. Il essaiera de me tuer plus tard. Il essaiera très certainement de me tuer plus tard celui-là. Pardon. Et les messieurs ils sont posés comme ça? Non mais attends mais ils vont. Bonjour. Bonjour messieurs. Ah d'accord. Et vous avez tué tout le monde?
Okay, on va regarder ces notes. Des hommes brisés, une télé HS. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS. On dirait des patients, ils ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais ils ont la serveur en compote. Hein. Bon, au moins, ils essaient pas de nous découper en morceaux. Et ça, c'est franchement une bonne chose pour le coup. Ça, pour le coup, c'est pas tant une mauvaise chose. Ça, par contre, ici, c'est une mauvaise chose. Ici, là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une très mauvaise chose. Parce qu'il faut se baisser pour entrer dans cet endroit. Je mets mon 15e œil de Drinja. Je mets mon 15e œil de Drinja. Genre, il faut se baisser pour y aller. Et comme il faut se baisser pour y aller, comme il y a une action à faire pour y aller, genre, ça fait peur. Et genre, enfin, ça veut dire qu'on va se faire tuer. On est dans une nouvelle zone. C'est la panique. Mais ça fait encore plus peur, par contre. Ça, c'est... Mais encore, heureusement, on peut pas ouvrir en vrai. Pour l'instant, on n'a pas surpassé le premier streamer. Hein. Le premier streamer... Et j'ai pas envie qu'on le surpasse, hein, parce que genre, j'ai juste hurlé. J'ai juste complètement, totalement, positivement hurlé. Mais j'ai peur de complètement sur-hurler again, en fait. Il a quelque chose, le monsieur, là-bas? Il y a la carte de sécurité! Nice! Big Brain! Big Brain Drinjouille! On va tellement sortir, il va y avoir le sang partout. On va les laisser tranquille. Hein. Pas me fais pas un screamer en passant, me fais pas un screamer en passant, me fais pas un screamer en passant! Fais un screamer en passant. Bâtard. Ah, mais c'est pas possible. On l'a vu quand même, hein. On l'a vu. On est clairement des pure god gamer. Pure god gamer déjà. Pure god gamer. Tout va bien. Ok, maintenant c'est l'heure du deuxième cyber débile qui était là-bas. En courant, jetez un coup d'œil derrière vous pour en appuyant un moment sur A ou E. Ah non, mais pourquoi? Oh non. Là, on est bien. Là, ici, on est safe. Non, mais non. Parce que c'était pire. C'était pire de jeter un œil derrière. C'est pire encore de jeter un œil derrière pendant qu'on fait tout ce bordel. Bon, ok, c'est pas grave, déjà, tout va bien. N'empêche, t'es pas cool le jeu. Oui, mon burrito. Il y a des casiers. Ah, on est mieux là. On est mieux, mon chat. Il est clairement mieux. Attendez, je gère le burrito. Il m'a mordu la joue. Ok, bon, là par contre, ça veut dire qu'on peut se cacher ici. Hein. Genre, le jeu nous balance des informations en plus. Le jeu nous fait péter des informations en plus sur notre potentiel d'action. Mais moi ça me fait pas plaisir. Alors débrouillez les portes principales. Ok.
Ah non. Ah non. Non.